Paris, que cette ville est belle. Eh bien, dites-moi, vous venez de la campagne? Ah oui, je viens conquérir Paris. Paris! Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Oh, la chance est une amie. Ne vous inquiétez pas. Dans un mois, je serai célèbre. Comment vous allez faire? Oh, je ne sais pas, je viens d'arriver, mais vous savez, il ne manque pas d'idées dans cette caboche. J'espère surtout que vous avez le crâne solide. Des coups, vous n'allez pas en manquer. Oui, oh, je sais, ça a déjà commencé. Ce sont des gens comme Isengrin qui vous les donneront, les coups. Les idées, ils s'en moquent. Leurs dents leur suffisent. Oh, ça ne m'étonne pas de l'oncle Isengrin, il n'a jamais eu beaucoup de cœur. Eh bien, si c'est votre oncle, ça ira peut-être plus vite. Ça fait 500 francs. Oui, oui, un instant. Je vais arranger ça. Mon oncle et oncle Isengrin, c'est moi, Renart, ton neveu chéri. Ça ne va pas, non? Qu'est-ce que c'est que tout ce tapage? Isengrin, mon oncle adoré. Tu ne reconnais plus ta famille? Renart, mais qu'est-ce que tu fais ici, à Paris? Lâche-moi, mais enfin, on va nous remarquer. Je suis venu pour t'aider, figure-toi. M'aider? Mais tu veux rire? Ben, pas du tout, je veux travailler. Alors, et moi, s'il vous plaît? Travailler? Renard veut travailler. Dites donc, et mes 500 francs? Ah, c'est louche. Et qu'est-ce qu'il veut, celui-là aussi? Non, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et alors, et mes 500 francs? Salut, toi. Quels 500 francs? Mais ne t'inquiétons pas. Est-ce que tu peux me prêter 1000 francs, là? Je t'en rendrai 10 000, alors. Et voilà, ça commence. Mais il n'en est pas question du tout. Mais enfin, mon oncle, 1000 francs, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup trop. Bon, je te fais un rabais, alors prête-moi juste 500 francs. Il n'en est pas question. Voleur! Et mon argent! Ne crie pas comme ça. Les voilà, tes 500 francs. Oh, vous voyez que mon oncle n'est pas si méchant. Toi, tu vas me rembourser immédiatement mes 500 francs. Et au boulot! Rappelez-vous, dans un mois, je serai célèbre! Vous voyez, j'ai déjà du travail. Oh, ma tante, que je suis heureux! Ah, vous n'avez pas changé, toujours aussi belle. Il m'a déjà roulé de 500 francs, je le mets au boulot. C'est bien le fils de son père. Oh, vous savez que vous êtes radieuse, vous avez même rajeuni. En tout cas, il est plus galant qu'Isengrin. Allez, au travail. Tiens, tu vas me nettoyer toutes ces voitures. Hein? Oui, toutes ces voitures couvertes de poussière. Et je veux que ça brille comme un sou neuf. Mais enfin, mon oncle, vous n'allez quand même pas me mettre au nettoyage. Ah non, c'est ce qu'on va voir. Tu m'as volé 500 francs. Tu dois me les rendre sans discuter. Ce n'est pas parce que tu es mon neveu que tu crois que tu vas m'attendrir. Eh bien, comme accueil, on aurait pu rêver mieux. Enfin, quand vous y allez, vous y allez. Et hop, et voilà. Oh. Ah, Marmouset, vite, un coup de main. C'est pas très rapide, mais... Oh, mon pauvre Marmousette a le rhume des poussières. Allez, attends un peu, on va trouver beaucoup mieux. Et dis donc, qu'est-ce que c'est que cette machine-là? C'est l'air comprimé, c'est pour gonfler les pneus. Fais attention, c'est puissant. Bon, alors, je vous l'emprunte juste une seconde. Regarde, Marmousette, plus besoin de se fatiguer, voilà la solution. On va gagner nos 500 francs en 3 secondes. Allez, filons d'ici, gros. Wow. Au secours! C'est encore toi, Renard. Où es-tu? J'ai trouvé une nouvelle méthode de nettoyage. J'ai bien l'intention de te la vendre, d'ailleurs. Tu te fiches de moi? C'est comme ça que tu nettoies? Regarde un peu mon garage, imbécile. Et mon costume, tu l'as vu? Attendez, mon oncle, ne bougez surtout pas. Je vais vous arranger ça. Bon, vous allez voir. Mais oh, je vous trouve bien mieux comme ça. Vous faites plus dans le vent. Je te donne 5 minutes pour nettoyer. Pour tout nettoyer, tu as bien compris? Petit crétin. 5 minutes, pas une de plus. D'accord. C'était pour bien faire. Bien faire, tu parles. Des catastrophes, pour ça t'es très fort. Oh. Alors comme ça, ça me fait rire. Non. Eh bien moi non plus, je ne trouve pas ça drôle du tout. Mais alors pas du tout. Ah, lui c'est mon grand copain, c'est Marmouset. Allez, dis bonjour à mon oncle. Sois gentil. Mais c'est qu'il se moquerait de moi? Non, c'est dans sa nature, il est très très gai. Allons, reviens-toi. Ah,
Alors, Marmouset, tu t'es fait mal? Si tu crois que je suis en train de m'amuser... C'est pourtant très drôle. En attendant, il y a un client qui t'attend. Mais dites, si vous voulez, moi, je peux y aller. Oh non, non. Renard, il n'y a personne à la pompe. Allez-y. À vos ordres, ma très chère tante. Alors, on travaille ici? Non. Mais dites donc, ça va pas la tête. Voilà, voilà, j'arrive. Pompiste, le plein, s'il vous plaît. Ordinaire ou super? Non, mais vous ne m'avez pas regardé, ordinaire, moi. Mais pas du tout, cher monsieur, je vous trouve super. On peut même dire que vous êtes super gonflé. Pas vrai, mademoiselle? Je ne vous dirai pas, mademoiselle, que j'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré quelque part, parce que ce serait faux. Non, la vérité, c'est que je vous vois depuis toujours, c'est vous en rêve. Exactement vous. Mais où êtes-vous, hein? Eh bien, votre rêve est à l'eau. Alors soyez gentils, dépêchez-vous, je suis très pressée. Et moi aussi, je suis pressée. Et en plus, j'étais là avant, mademoiselle. Ah, vous étiez là avant, mais vous serez servie après par courtoisie. Mais je vais t'apprendre un peu la courtoisie, moi. Et lâchez-moi, lâchez-moi ou je tire. Mais lâchez le dos, sale brute. Non, je ne le lâcherai pas, ce morveux. Alors je tire. Oh, merde. Qu'est-ce qui se passe encore? Renard. Mais rien, mon oncle. C'est ce monsieur qui est complètement dégonflé. Dégonflé? Moi, tu vas voir un peu, petit morveux. Non, mais regardez vos pneus. Vous êtes à plat, aussi plat qu'une tarte à l'oignon. Oh. Ça alors, des pneus tout neufs? Oh. Bah, pas si neuf que ça. On va vous les changer. Renard, va me chercher quatre pneus neufs. Quelle bande de fous! Ah, attendez, attendez, je vais avec vous. Vite, vous faites ça avec toutes vos clientes? Ah non, je vous jure, vous êtes la première! Là, je vous invite à déjeuner. C'était ben, bien. Ah oh, ouais, j'ai beaucoup aimé. Je vous venez boire un café? Enfin, non, je vous invite à faire une promenade. Désolé, mais j'ai déjà 10 minutes de retard à cause de vous. Je vais rater mon conseil des ministres. Ministre? Vous êtes ministre? Oh, et dire que je ne connais même pas votre nom. Je m'appelle Hermeline et je suis journaliste. Journaliste? Formidable, mon rêve! Décidément, vous rêvez beaucoup. Au revoir, monsieur. Renard, mais Renard avec un T. Eh bien, au revoir, Renard.